Salut tout le monde, c'est PepperTib et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gameplay dans Discovery, une des nouvelles maps de Call of Duty Black Ops qui est sortie dans le pack Initiative. Et donc je vais essayer de jouer à la Uzi. Donc je vais commencer la partie. Il a une jolie tête lui. Ah, c'est moi. Donc beaucoup de monde m'a dit que le Uzi avait un très grand recul, donc j'ai préféré mettre une poignée. Et il a un viseur très spécial aussi. Mais bon, il a une assez bonne cadence de tir, donc ça compense le tout. Là, je vois un point rouge. Oui, dès le début, il faut souvent contourner les ennemis, parce qu'avec un Uzi, vous avez aucune chance sur des AK-74U ou quelque chose comme ça. Donc il faut contourner comme les fusils à pompe, on vous le dit. Contourner, c'est le plus important, et attaquer par derrière. Donc c'est pour ça qu'en bonus des séries d'élimination, j'ai mis l'avion espion, qui est très très important pour savoir où les ennemis se trouvent. Ah, donc vous voyez une double élimination. Après j'ai mis j'ai pris l'hélico d'attaque. Et l'artillerie hélico à 9 bonus d'élimination. Donc je viens de débloquer mon avion espion. Et je vois que les ennemis sont ici. Donc je lance une grenade. Et je les contourne, comme je vous ai dit. Donc la spécialité de cette partie, c'est que vous allez voir le score à la fin qui est assez bon. Pour ma première partie au Uzi. Le Uzi que j'avais jamais essayé. Bon, j'avoue que j'avais déjà joué à la AK-74U à mes débuts. Mais bon, je suis pas noob, ne vous inquiétez pas. Si certains disent que la AK-74U est cheatée. Les seuls pistolets mitrailleurs que j'avais beaucoup joué, c'était le Mac 11. Comment il s'appelle qui? Le Scorpion. Ouais, qui est très spécial aussi. Très très spécial car il a une portée d'un fusil à pompe. Mais bon, je le montrerai sûrement dans une autre vidéo. Là, on va parler du Uzi. Vous voyez son viseur qui est très spécial. Oui, je voulais mettre un viseur laser. Mais le viseur laser, j'ai préféré mettre poignée en fait. Souvent, je teste les classes d'armes avec plusieurs accessoires. Mais là, j'ai préféré ne pas mettre seigneur de guerre. J'ai mis passe-passe, même si je l'ai même pas débloqué en pro. Oui, là, je vois un ennemi, j'ai lancé une grenade dessus, mais ça l'a pas. Donc vous voyez encore une double élimination. Je viens de débloquer mon avion à cette série d'élimination. Je le lance. Donc ouais, c'est un hélicoptère d'attaque. Qu'est-ce que je disais? Oui, le Uzi. Qui est une arme très spéciale, mais vous verrez. Elle est bien. N'hésitez pas à l'essayer. Car à courte portée, comme vous le voyez, on s'en fout un peu du viseur. Ah, là j'ai fait des hit markers. Bon, si vous visez bien l'ennemi, de toute façon n'importe quelle arme peut convenir. Mais chacun a ses préférences. Donc après cette partie, je me suis dit le Uzi vaut la chandelle d'être testé. Donc je le prendrai sûrement dans plusieurs parties. Bon, vous voyez mon hélico d'attaque qui commence à s'énerver là. Il en a tué deux. Mais il va se faire détruire vite fait. Ah bah il s'est fait détruire. Là je vois les ennemis qui sont là-bas. Vous voyez, je fais les tours de map, mais je vois pas souvent d'ennemis. C'est ça le problème. Ah bah si, vous voyez, il y a deux ennemis en face de moi. Premier réflexe, lancer une grenade, comme j'ai pillard. De toute façon, les grenades, ça se ravitaille. Ah, un campeur. Un campeur au lance-roquette. Bon, on va pas s'attarder sur le campeur. Je me suis dit, il faut lancer l'artilleur d'hélico là. Donc je me suis dit, hop, je lance une grenade. Et je me mets dans un coin. J'ai préféré me mettre en hauteur et me cacher derrière un tonneau. Donc je lance mon artilleur d'hélico. Donc dans cette map, ça va quand même l'artilleur. Il y a des maps pires comme Crackhead où il y a beaucoup de monde qui va dans les bâtiments. Et dans cette map aussi, il y a beaucoup de bâtiments. Donc pour les artilleurs, si les ennemis se cachent dans les bâtiments, ça va pas. Bon, vous voyez, ça va, là les ennemis respawn.
ou réapparaissent comme vous préférez. À l'extérieur, il y en a un dans la grotte qui va sortir. Bon, d'abord je tue les autres. Ah, j'ai retrouvé le respawn, regardez. J'en ai tué... Bah, j'ai fait un triple meurtre, comme c'est marqué. J'en ai tué plusieurs d'affilée. Et là, comme j'étais à 24-0, je me suis dit, faut pas que je meure. Là, j'en ai tué un, mais mon artilleur a pris fin. Donc, ah si, j'en ai tué encore un. Il y a beaucoup de monde qui essayait de me le détruire, l'artilleur. Mais ils ont pas réussi. Oui, donc j'arrive avec mon Uzi. Dommage, comme les coéquipiers de mon équipe étaient assez forts, donc la partie avançait bien. Regardez, nous étions à 6700, à 1500. Vous voyez, les ennemis d'en face avaient tous entre 0,10 et 0,50 de ratio. Et 0,40. Donc je vois un ennemi, je le tue. Bah, je vais pas commenter tout ce que je fais. Oh, la partie allait quasiment finir. Donc, après cette partie, j'adore le Uzi. Surtout dans les maps où on peut bien contourner. Bah, j'allais faire le kill de fin, mais c'est pas moi qui l'a fait. Et vous voyez, un 27-0. Un 27 de ratio. Ça devait être mon plus grand ratio que j'ai eu dans Call of Duty Black Ops. Mais le but, c'est pas de faire un bon ratio, parce qu'il y en a qui campent. Mais bon, je suis content avec une arme que j'ai essayé pour la première fois et que j'ai fait un rush avec. J'ai fait 27-0. Donc, c'est bon, je suis content de mon essai. Car je vais la réutiliser plus tard. C'était Paperteam. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et je vais bientôt sortir ma première partie d'ascension que j'avais filmée. Mais comme elle dure assez longtemps, YouTube me dit qu'elle s'envoie en 900 minutes. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Oui, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement cette partie d'ascension. Au revoir.